l'intérieur et tout est maçonné par des professionnels de Naples avec des matériaux napolitains, de la céramique de Naples, de l'argile de Naples et des briques en pierre de Naples. Et c'est juste pour moi les meilleurs fonds. Ah, du bon commerce. Quelle est une bonne pizza napolitaine selon toi? Bonjour, je suis Grégory Brodkorn, expert auprès des professionnels de la pizza et en direct de Naples avec ma collaboratrice Loredana qui va faire la traduction. On va interviewer Enzo de la pizzeria Lievito Madre à Napoli et il va nous expliquer un petit peu son parcours et pour lui ce qui est une très belle pizza. Et pour nos amis français, ce sera forcément quelque chose de formidable à comprendre. Alors Enzo, bonjour, merci d'assister à cette interview. Grazie. Mi spieghiamo un po' a noi dove ci troviamo. Siamo una pizzeria Lievito Madre, come diceva il nostro ex amico, a Giugiano. E quindi vi facciamo vedere un po' la nostra pizza, di quello che facciamo e dei forni che usiamo. Alors, ils vont nous montrer la pizza qu'ils vont faire et les fours qu'ils vont utiliser pour faire cette pizza en direct de Napoli. D'accord. Enzo, est-ce que tu peux nous expliquer comment t'en es venu à faire de la pizza dans la vie? Enzo, est-ce que tu sais... Bah oui, tu le dis en français, donc ça bon. Tu le dis en napolitain. Voilà. Enzo, tu peux expliquer comment sei arrivato à faire queste pizze à Napoli, comment sei arrivato qua in questa pizzeria, perché? No, allora, questa è una pizzeria, è una grande realtà della provincia di Napoli. Noi ci troviamo a Giugiano, non precisamente Napoli. Questa è una realtà che ho scelto dopo tanti anni di esperienza, dopo varie pizzerie che ho girato, mi sono fermato qui perché c'è dietro un bel progetto molto importante. Alors, en fait, après avoir tourné différentes pizzerias, ben, en fait, il s'est rendu compte que déjà il aime ce métier et puis il a tourné pas mal de pizzerias et donc ici, il est atterri ici parce qu'il y a un projet quand même important avec ces pizzerias. Très bien, oui, c'est vrai que c'est une très grosse pizzeria ici dans la banlieue de Naples, à Giugiano. Et est-ce que tu peux nous donner ta définition de la pizza d'excellence? Puoi darci la definizione della pizza di eccellenza? Per te sì, cos'è? Allora, noi facciamo, come dicevo prima, facciamo due tipi anche di impasto. Ils font deux types d'empattement. Sia per l'asporto. Donc pour le, pour le, pour le delivery. Pour l'emporter. E l'altro impasto che facciamo per il servizio a tavola. Voilà, ils font deux types d'empattement. Pour l'emporter et pour les personnes qui mangent, les clients qui mangent sur place. D'accord. Et pour toi, quelle est la meilleure pizza? C'est quoi la meilleure définition de la pizza? Per noi la migliore pizza che noi facciamo ovviamente è la classica margherita, perché è la pizza dove assaggi realmente l'impasto e tutti gli ingredienti che l'accompagnano sopra. Alors pour lui, ben, comme vous l'avez compris, c'est la pizza margherita parce que c'est la classique et forcément c'est là qu'on entend, on goûte tous les arômes de l'empattement de la pizza. Quelle est la meilleure façon de cuire une pizza d'excellence? Alors pour toi, Enzo, quel est le meilleur mode de cuire une pizza d'eccellenza? La cosa importante ovviamente è avere un forno, un ottimo forno che ti permette di cuocere la pizza napoletana. Alors pour lui la meilleure façon de cuire la pizza napolitaine c'est un four d'excellence justement, le meilleur des fours. D'accord, est-ce que tu peux nous présenter ton four et justement ton outil de travail pour cuire cette superbe pizza qu'on trouve ici chez Lievito Madre? Allora, poi Enzo puoi presentarci il tuo forno, il tuo oggetto di lavoro? Sì. Ok. Facciamo entrare nel nostro mondo. Sì. Questo è il nostro mondo. Questo è il nostro mondo. Questo è il nostro mondo. Questi sono i nostri magnifici forni, che senza di loro ovviamente il nostro lavoro è al 20%. Ok. Quindi ci danno una grande mano. Sans ces fours, en fait, leur travail ce serait qu'à 20%. Et ça, c'est pour eux, c'est l'outil de travail. Le 80%, c'est le four qui le fait. D'accord. Est-ce que tu sais, Enzo, pourquoi ce four est aussi performant? Pourquoi ce four est-il aussi performant? Perché questo forno è per te il migliore, il più performante? No, perché è un forno che riesce a far cuocere molte pizze, infatti la nostra realtà
sono all'incirca 2500 pizze a settimana. Donc pour eux, en fait, ce four, en fait, c'est l'excellence parce qu'en fait, ils arrivent à cuire 2500 pizzas semaine. C'est leur quotidien, en fait. 2500 pizzas semaine. C'est quoi la cuisson homogène. Pour avoir une cuisson toujours homogène. Donc un four qui tient les températures, qui cuit bien au sol tout le temps et qui a une voûte performante tout le temps et toujours très stable, qui garde les températures et qui n'a pas une grosse consommation de bois. Domanda se ha una grossa consumazione. No, non tanto, perché riesce a mantenere bene tutta la temperatura. Voilà, il n'a pas beaucoup besoin de toute consommation parce qu'il arrive à garder sa chaleur du fait qu'il est bien isolé. L'isolation est très bonne. Voilà. Est-ce qu'on peut aller sur le Pardon? Alors, avant de se quitter, Enzo, je voudrais présenter aux gens qui nous regardent la pizza qu'on a faite ensemble avec les lievito madre, avec la levure mère et la farine biologique. Alors, on a fait une prédécoupe hein, comme ça. On a vraiment un levain qui a voyagé pendant 2000 km et une farine biologique française qu'on met en avant chez les compagnons Pizzaiolo et une levée très très courte de quelques heures. Voilà ce qu'on obtient déjà dans ce fameux four napolitain et pizza effectuée évidemment par Enzo. Voilà, alors merci. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce en l'air s'il te plaît. Partage-la avec tes amis. Et puis surtout, prends soin de toi parce que c'est vraiment ce qui est le plus important. À très bientôt, je te fais bico. Mmh.